Bah écoutez, j'ai que du bonheur, bon, mis à part après le résultat qui est sévère à mon goût, mais ouais, vraiment super du début à la fin. On a la chance que Ardennes Métropole ait eu le courage de nous mettre à disposition le stade. Donc en plus on a eu les vestiaires de Sedan. Ça a été magique pour les joueurs, pour les dirigeants. Donc ils ont passé une journée extraordinaire de jouer sur une pelouse, un caviar, devant un peu plus de 2000 spectateurs. Vous savez, on est dans le monde amateur, c'est la première fois qu'ils vivent ça. Donc ils sont aux anges, même malgré le 4-0. C'est de bon augure pour la suite, pour notre championnat. Déjà, c'est une satisfaction parce que voilà, c'est un retour à Jugoslavie, c'est un retour sur les terres sudanaises. Et puis voilà, on était attendu. C'était un événement qui était attendu par pas mal de Sudanais, beaucoup de Sudanais, plus de 2000 personnes aujourd'hui. Et nous, voilà, ce qu'on voulait absolument, c'est de montrer à tout le monde que même s'il y a eu des déboires pendant tout cet été, Sedan restera toujours Sedan. Et puis en mettant de l'abnégation, en mettant un peu de qualité, en mettant un peu plus de jeu aussi, on est capable de faire venir du monde et faire procurer du plaisir au peuple sudanais. Et voilà, la satisfaction, elle est surtout dans un premier temps de ce côté-là. Après maintenant, par rapport au match, je trouve que c'est un match sur lequel on a mis un peu de temps à rentrer dedans. Après maintenant, ce but nous a permis de nous libérer, ce but nous a permis aussi d'avoir les supporters proches de nous. Et puis voilà, ce but nous a permis aussi de dérouler sur la suite. Donc ouais, c'est une bonne première mi-temps. Après deuxième mi-temps, voilà, il y avait une équipe qui était un peu plus en place, qui ne voulait pas trop se projeter avec 3-0 à la mi-temps. Et nous, on a bien géré ça. Et la finalité, c'est qu'on met un quatrième but, on aurait pu peut-être marquer aussi, ils auraient pu peut-être marquer aussi. Mais sinon, dans l'ensemble, ouais, c'est satisfaisant. Voilà, pour la suite, c'est satisfaisant. Pour l'instant, j'ai pas de tirage rêvé. La seule chose, c'est qu'on continue avec de ce qu'on fait, c'est-à-dire que créer un groupe, prendre des victoires au fur et à mesure. La semaine prochaine, moi, je suis plus sur la semaine prochaine le match face aux chaînes que sur le tirage, parce que voilà, faut pas se mentir, notre quotidien ça va être ce championnat d'R3 qui va être très compliqué, dans le sens où voilà, ça va être des matchs traînement rudes où on sera attendu dans tous les stades. Donc voilà, moi je suis plus sur cette projection du match face aux chaînes. Après maintenant, on aura un temps pour tout. Après maintenant, le tirage, bien évidemment qu'on va l'observer, puis après on verra. J'ai pas de tirage de rêve, hein. Personnellement, j'ai pas de tirage de rêve. L'idéal en tout cas, c'est de recevoir, voilà, parce qu'avec ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est vrai qu'on a toujours envie de retrouver son public.